Où en es-tu, novice ? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission, à toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Le régent de Jérusalem, Majdadin, organise une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler ? J'ai compris. Autre chose ? Oui, en effet. Il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Il n'en aura pas l'occasion. Je l'espère bien. Silence ! Je demande le silence ! Peuple de Jérusalem, écoutez-moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Les malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez ? Vous rentrez dans le péché, le mensonge ? Vivre continuellement dans la peur ? Non ! Pas question ! Jamais ! Alors, allez-vous agir ? Et comment ? Oui, guidez-nous ! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça, la justice ! Et vous restez là sans rien faire ! Vous êtes complice de ce crime ! Dieu vous maudisse ! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien ! Leur but ? Faire naître le doute et la peur en vous ! Mais moi, je les en empêcherai ! Ces quatre-là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La cata, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces quatre-là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Tentatrice, on lui donne bien des noms. Mais ses péchés, eux, restent les mêmes. Elle a utilisé et souillé son corps de femme pour s'en... Les hommes qu'elle a touchés sont perdus à jamais. Elle doit payer. Ce ne sont que des mensonges. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas condamnée pour avoir couché avec d'autres hommes, non. S'il veut m'exécuter, c'est parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Même là, alors même qu'on lui offre le pardon, elle continue de nous tromper. Elle ne veut pas être sauvée. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Condamnée à mort pour un jeu de hasard ? Cette sentence ne figure dans aucun texte ? Ce n'est pas le péché qui menace notre cité, c'est toi ! Croyez-vous pas ? Il a péché ! Qu'il soit maudit ! Ce n'était qu'un seul dinar ! Et je l'ai trouvé par terre ! Tu parles comme si j'avais enfreint un interdit ! Comme si je l'avais dérobé à quelqu'un ! Aux
aujourd'hui un dinar, demain un cheval. Et un jour, c'est la vie d'un homme que tu prendras. Ce qui importe, ce n'est pas que tu voles. Ce qui importe, c'est que tu t'appropries ce qui ne t'appartient pas. Si je tolérais de tels comportements, bientôt beaucoup d'autres t'imiteraient. Et où ça nous mènerait-il ? Il ne pense qu'à tuer. Il empoisonne nos esprits comme il empoisonne nos corps. Il montre les fils contre... Ton règne va s'achever. Non, non. Il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Il menace l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout? Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachashiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre, Amasiaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. L'enfantillage, ce n'est plus de ton âge. Vous avez failli me tuer! Dis donc, rien ne vous oblige à faire ça. Oh là là. Je n'ai rien, mais... Ne faites pas ça, d'accord?
Alors, Altaïr, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi ? Celui qui se charge de la sale besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Fais attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous. Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurais plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils ? Non nobis, Domine, non nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils ? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard ? Et Salah Adin ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altaïr. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les perces à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altaïr, ta mission reste la même. Seule a changé la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du temple de Salomon. De Sablé voulait le récupérer à tout prix. Plus tard, Altaïr, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arme. Puisses-tu faire honneur à la fraternité. Altaïr, avant que tu ne partes. Oui. Comment savais-tu que je ne te tuerais pas ? Je ne le savais pas, maître. Vraiment. J'ai fait acte de foi. Thank you.